Art du serveur. De retour sur ce plateau, nous retrouvons nos invités pour la suite de Regards Croisés. Nous parlons maintenant de la République démocratique du Congo. Au moins 46 civils ont été tués et des dizaines d'autres blessés dans l'attaque d'un camp de déplacés dans la nuit du 11 au 12 juin en Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo. La tuerie a été attribuée à la milice Codeco, la coopérative de développement du Congo. La MONUSCO a condamné une attaque ignoble. La Codeco est une milice à plusieurs milliers d'hommes, affirmant protéger la tribu Lendu. Face à la tribu Emma, elle a attaqué samedi également un poste de l'armée, faisant 7 morts civiles. Début 2022, la même milice avait été accusée d'avoir massacré plus de 60 civils dans un autre camp de déplacés. Alors, les populations civiles sont celles qui payent le lourd tribut de l'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo, Germain. Oui, tout à fait. Donc, depuis un peu plus de 6 ans maintenant, ces groupes armés-là, qui sont des sortes d'héritières des différentes guerres donc, qu'il y a eu dans la région, ont repris du service et ont provoqué la mort de plus d'un millier de civils et plus d'un million de déplacés, surtout dans cette zone au nord-est donc, de la RDC. Et ce sont des conflits ethniques aussi qui ont cours régulièrement. Et là, vous avez deux groupes qui disent protéger des tribus, qui sont les Emma et les Ndou. Donc il y a le Codeco qui est à l'origine une coopérative chrétienne de développement, qui était censée œuvrer pour le développement. Qui entre-temps aussi, même récemment, dont certains membres affirmaient avoir déposé des armes. Mais je pense qu'il y a une aile dissidente qui est encore très active et qui prétend donc protéger leur communauté. Et contre les Emma qui sont protégés aussi par un autre groupe armé, et qu'on appelle les Aïrs. Et donc vous comprenez que c'est une situation très difficile. Dans un pays un peu trop vaste, dans un pays où l'armée a presque démissionné, en tout cas est incapable aujourd'hui de jouer son rôle. Et l'ONU avec plus de 14 000 hommes, 16 000 je pense. Oui, pour la MONUSCO. Voilà, aussi ne fait rien, donc pas grand chose, même s'il affirme être là. Et avoir aidé à limiter les dégâts, avoir aidé à protéger des populations. Et depuis quelques années, ces populations ne sont pas véritablement protégées, d'où leur désarroi, et ce qui les pousse souvent à réclamer d'ailleurs le départ des casques bleus. Maintenant, il y a quand même le secrétaire et il y a un chef des opérations de l'ONU, je crois que c'est Jean-Pierre Lacroix, je pense, qui était récemment en RDC et qui avait quand même annoncé le départ progressif et responsable de l'ONU, en affirmant que les casques bleus étaient là pour protéger ses citoyens, mais on ne le voit pas. On aurait mieux souhaité que les casques bleus fassent autre chose que ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. On aurait souhaité aussi que l'État central, Kinshasa, soit assez déployé militairement, parce que ce qui s'est fait dans la nuit de dimanche à lundi, c'est à quelques kilomètres d'une base militaire. Où il y a quand même ces militaires-là donc, qui ont été incapables de protéger ces civils-là. Et c'est tout simplement décevant qu'un État n'arrive pas à protéger ses populations, qu'une communauté internationale qui dit être au chevet de cet État-là aussi, n'arrive même pas à limiter donc les débats et les dégâts, j'allais dire. Donc aujourd'hui, il y a de ces influences-là, de ces pays avec lesquels la RDC partage les frontières, qui
héberge ou qui alimente et renforce un certain nombre de ces groupes armés-là. Et tant que tous ces problèmes-là ne sont pas réglés, je crois que ça va être toujours ce drame, avec un grand déplacement des populations en interne comme à l'extérieur. Et c'est tout simplement triste pour ce grand pays qui a les richesses, un pays qui aurait pu, s'il était mieux géré, pouvoir nourrir non seulement ses habitants, mais contribuer un peu au développement du continent. Alors, aux Russes, comme je le disais, c'est la population civile qui paye le lourd tribut hein, de cette insécurité qui règne dans l'est de la République démocratique du Congo. Cette attaque est attribuée à la CODECO, qui normalement est une coopérative de développement qui est censée protéger une tribu. On s'attaque à un camp de réfugiés. Comment on fait pour savoir si ceux que nous sommes censés protéger ne sont pas dans ce camp de réfugiés? C'est difficile parce que, après, vous voyez, le souci c'est que lorsque vous avez un État qui est incapable d'assurer la protection Sa de sa population, population. de ses populations, les populations elles en viennent à créer des groupes d'autodéfense, elles en viennent à vouloir se défendre elles-mêmes. Et très vite, on déborde parce que on passe très vite de l'étape de l'autodéfense à l'étape de la prétention qui peut être foncière, économique, ethnique, des jeux d'alliance et ça devient complexe On parce devient que agressif. ça devient agressif. On en vient parfois même à des scissions. On en vient même parfois à des prétentions de sécession. Parce qu'au fur et à mesure, la force qui était la ministre d'autodéfense devient une Un groupe armée. armé. L'armée, elle va vouloir, comment dirais-je, gérer économiquement parce qu'il faut s'approvisionner, il faut organiser les populations. Et Ça devient une de rébellion. fil en aiguille, on a un exemple d'ailleurs qui est celui du Somaliland. Le Oui, Somaliland, effectivement. qui est quasi autonome, qui n'est pas reconnu par l'ONU, mais qui est quasi autonome, qui vit, qui fait ses élections et ainsi de suite. Donc cela arrive. Maintenant, ceci étant dit, je pense que le Congo, il a un problème à trois niveaux. Le premier problème, c'est l'ingérence extérieure. Et parfois, on la minimise. Pourquoi? On la minimise parce que, mettons qu'on a moins de médiatisation de cela. Mais la vérité, c'est que l'uranium de la bombe Hiroshima, c'est un uranium congolais. Donc, je vois mal un État comme les États-Unis utiliser un uranium congolais. Et comment dirais-je, ne pas s'intéresser à une région aussi vaste, aussi riche, et qui, en centaines d'années, voire en millénaires, a toujours suscité la curiosité. Quand on parle des sources du Nil, mais c'est la recherche des sources du Nil qui ont amené à la découverte du Congo, tous les explorateurs que l'on a envoyés, tout le fantasme, toute la. Voilà. Et donc, et je pense qu'il y a une ingérence étrangère. D'ailleurs, que quand on voit le président Mobutu, on voit tout ce qui s'est passé avec Lumumba, on voit, comment dirais-je, les prétentions belges sur le territoire, il y a ce passif-là. Il y a le passif le passif, disons, il y a le passif des populations qui ont constitué le Congo belge et actuellement qui constituent la RDC, qui ont des frictions entre elles. Il y a aussi le passif des populations qui ont migré des autres États pour s'installer en RDC Congo. Et tout ça fait un genre de cocktail explosif. Lorsque vous avez des États comme l'Ouganda, le Rwanda, voire le Burundi qui vont s'ingérer dans la politique congolaise, ben, il faut se souvenir que ceux qui sont actuellement à la tête de ces États-là étaient eux-mêmes des anciens réfugiés. Et donc, ne pas s'ingérer dans l'État du Congo, c'est en quelque Peut-être sorte oublier ses origines. non, même pas, c'est en quelque sorte laisser se développer une potentielle rébellion qui pourrait évincer hein, ceux qui gouvernent actuellement. Vous prenez le cas de Laurent-Désiré Kabila qui vient évincer Mobutu, ça vient toujours de ces mêmes régions-là. Vous prenez les rébellions qui viennent, comment dirais-je, secouer le pouvoir de Mobutu lorsqu'il arrache à Kasavubu et Lumumba, ça vient encore de ces régions-là. Donc, je pense que le problème congolais, c'est un problème profond qui va nécessiter
un genre de conférence, un genre de conciliabule entre les principaux groupes ethniques, les acteurs de la société civile, pour voir, pour redéfinir un certain nombre de bases. Parce que foncièrement, lorsque vous prenez alors on va vous parler des Banya Rwandais, des Banya Mulenge, on va vous parler de tous ces groupes ethniques qui en fait, en réalité, chevauchent deux ou trois pays Oui. et qu'on n'arrive pas à contenir. On va vous parler des provinces où vous avez carrément tout un système mafieux, on peut même avoir des gouverneurs et des chefs d'entreprise qui ça, parfois sont immensément riches et développent leurs propres milices. On va vous parler. Et c'est compliqué. Il faut que le Congo, la RDC, en vienne à quelque chose de collégial. On a tous les acteurs, où on redéfinit les bases, où on redéfinit la gestion du pays. Parce que s'il se souvient, disons, si on peut se fouiller dans l'histoire, je dirais même pas fouiller dans l'histoire, le terme n'est pas approprié. Je dirais, si vous voyez par exemple les personnes qui viennent percuter de façon critique le Congo, on en vient quand même au développement d'une idée d'un État qui serait trop grand pour être géré. Et cette idée de État trop grand, qui serait trop grand pour être géré, n'est pas de maintenant. Elle date, moi, la première fois que j'en entends parler, c'est justement dans le cas de Lumumba, où Lumumba se bat pour sauvegarder l'unicité du Congo. Au moment même où des gens ont envie de faire sécession. Oui. Comme, j'oublie son nom, celui qui l'assassine, j'oublie un peu le nom. Je pense qu'on parle du Katanga et ainsi de suite. Donc il y a des questions qui sont profondes et que je pense que l'État congolais, les Congolais doivent traiter pour qu'il y ait, et on retrouve un certain équilibre entre les ethnies. On retrouve une certaine paisibilité entre les ethnies et que l'on puisse faire une armée congolaise qui puisse impliquer tout le monde. Il faut, je pense, à mon sens, comment dirais-je, solidifier les bases de l'État Congo, au risque d'avoir des groupes armés qui, de façon non officielle, en réalité constituent, c'est-à-dire s'arrogent une portion du territoire et le gèrent à leur manière. Parce que c'est à ça qu'on est en train d'assister. On rentre dans un Congo qui a des territoires de non-droit. Où les gens, en fait, ils ont leur propre business, ils ont leur propre armée, ils ont leur propre population. Ils décident de savoir s'il y a une élection ou pas, s'ils doivent en référer à l'État ou pas. Ils décident même des alliances qu'ils peuvent avoir avec d'autres États sans en référer à leur l'état État central, d'origine. oui. Et ça, c'est quelque chose de dangereux. Parce que, en fait, ce qui est contesté au Togo, Au excuse-moi, au Congo. Congo, excuse-moi le lapsus, ce qui est contesté au Congo, c'est sa grandeur, en fait. Ce qui est convoité du Congo, c'est sa grandeur, c'est son potentiel. C'est comme si on disait aux Congolais, vous avez un potentiel trop riche et nous voulons vous forcer à le partager. Et malheureusement, ça se fait avec Est-ce le que ça ne concours. devrait pas plutôt être un atout pour le Congo? Sa largeur, sa grandeur, si on peut le dire, et puis son sous-sol très riche, sa Alors, diversité culturelle, le le, tout. le, alors, ce que je trouve, là où je trouve que le continent africain s'est fourvoyé, c'est dans le sens où le Congo à lui seul est un potentiel énorme pour le continent. Et donc, à la base, je trouve que le problème congolais est un problème qui doit être un des problèmes à résoudre de façon primordiale au niveau de l'UA. Parce que le Congo a le potentiel énergétique parfois, par exemple, d'alimenter une bonne partie Oui, du du continent. continent, a le potentiel pour l'agriculture, pour les mines. Quand on prend la plupart des métaux rares actuellement, mais on les a au Congo, et ces métaux-là font l'économie mondiale. Donc, je trouve qu'il y a quelque chose de très bizarre dans le fait qu'on n'ait pas plus d'intervention de la part du continent africain. Maintenant, l'intervention du continent africain, ce n'est pas pour remettre en cause l'intégrité du Congo en tant que nation, en tant que pays, mais c'est pour stabiliser la situation de façon à ce que le rayonnement du Congo participe au rayonnement total de tout le continent. Mais aujourd'hui, il y a des forces régionales qui interviennent au Congo, par exemple. Le problème qu'il y a avec l'intervention des forces régionales au Congo, c'est qu'on a l'impression que ce sont des interventions téléguidées.
ce sont des interventions qui ne sont pas expliquées. Et pire, parfois, ce sont des interventions qui sont contestées même par les autochtones. Ce qui est quelque part un non-sens. Normalement, ce sont des interventions qui devraient être, applaudies par les autochtones. Donc, le souci, il est là. On parle, par exemple, de l'Angola, on parle de la Zambie, on a des pays qui interviennent, on a les frictions Burundi, avec le Burundi, et ainsi de suite. Mais le souci, c'est que ces interventions-là, comment dirais-je, elles vont être compliquées tant qu'on ne règle pas le problème des peuples. Parce qu'avant les frontières, il y a eu les peuples. Et il est important que l'on implique les peuples pour que les peuples se sentent concernés et qu'on puisse arriver à un niveau de stabilité. Là, ce que je vois, on a eu une MINUSCO qui a intervenu au Congo, qui a prétendu pouvoir contribuer à la stabilisation du pays, qui a échoué, alors que bien avant qu'elle ne reconnaisse avoir échoué, les populations pointaient déjà ses échecs. Et maintenant, d'un jour au lendemain, qui décide de rapatrier ses troupes, parce qu'elle est contestée, et on dit, oui, voilà, il va avoir des forces sous-régionales. C'est bien beau tout ça. Ouais. Mais maintenant, le problème qui se pose en Afrique, c'est que ces forces sous-régionales, est-ce qu'elles tiennent compte de l'implication des populations de ces régions, des implications des paradigmes locaux, et surtout, est-ce qu'elles ne sont pas téléguidées? Parce que le problème qu'il y a en Afrique, et là où vient la suspicion, c'est le fait que un État ou l'autre puisse être téléguidé par des intérêts d'une puissance. C'est là où se situe le souci. Alors, Germain, qu'est-ce qui fait que normalement, des groupes d'autodéfense comme la CODECO s'attaquent à des populations civiles? Si on a quelque chose à revendiquer, il fallait plutôt les revendiquer au niveau de l'État. Pourquoi s'attaquer à un camp de réfugiés, selon vous? Oui, mais vous savez, comme le disait Russe tout à l'heure, c'est l'assemblage d'ethnies qui n'ont pas réussi à former une nation dans ce pays. Et les différents présidents qui ont été à la tête de ce pays n'ont pas pu faire ce travail-là. Peut-être pas parce qu'il manquait de volonté, mais le pays est assez vaste. Le pays est tiraillé par des forces étrangères qui ont un intérêt à ce qu'il ne soit pas stable, à ce que des pans de ce pays-là ne soient pas maîtrisés, pour qu'ils puissent l'exploiter comme ils veulent. Donc, vous avez vu aussi comment certains de ces présidents sont partis du pouvoir. Et donc, cette nation n'étant pas réellement constituée, il y a des ethnies qui se sentent à la fois congolais, avec des ramifications avec d'autres pays limitrophes. C'est vrai que ce n'est pas propre à la RDC dans la plupart des pays africains. Il y a des ethnies qu'on retrouve de part et d'autre. Donc le Congo vit la même situation, mais assez exacerbé par des guerres qui ont amené des pays qui ont certaines de leurs populations en RDC avoir une influence réelle sur la politique et même la prise du pouvoir dans ce pays-là. Donc aujourd'hui, quand on laisse ces groupes armés-là, quand on prend le M23, qu'on dit proche du Rwanda, par exemple, son problème, après, c'est qu'il devait avoir une intégration des membres du M23 au sein des forces armées de la RDC, ce que certains n'entendent pas appliquer en RDC. Ça veut dire qu'on estime que ces gens-là sont des Rwandais, sont des étrangers et qu'on ne pourrait pas les intégrer donc dans l'armée nationale. Donc nous sommes dans un pays où certaines ethnies pensent qu'elles sont plus légitimes autochtones que d'autres. Et vous verrez que quand vous prenez les Lindous et les Hema dont on parle, les forces, les groupes armés qui protègent les Hema s'appellent les Zaïre. Les Zaïre, oui. C'est-à-dire qu'ils se disent du Zaïre. Vous savez qu'aujourd'hui, même la RDC, certains contestent encore le nom. Et certains veulent revenir à l'ancienne appellation, le Zaïre, pour dire que c'est vraiment ça. Donc, une fois que nous sommes dans un pays où la nation n'est pas constituée, où
les tribus ou les ethnies sont encore parfois plus fortes, certaines plus fortes que d'autres, ou certaines ethnies qui ne se sentent pas ou qui ne se retrouvent pas dans la gouvernance du pays aussi, et qui ont tendance à replier sur d'autres pays, et on ne peut qu'assister donc à ce genre de situation. Maintenant, après, c'est le rôle de l'armée, c'est le rôle de l'État déjà de combattre les divisions ethniques. Il y a des pays aujourd'hui comme le Rwanda qui a dû passer par un génocide, donc on n'est pas encore dans la situation en RDC, mais on n'est pas loin, parce qu'au fur et à mesure que Le le nombre de temps morts, passe, quand on voit le on bilan. compile le nombre de morts et les déplacés, on arrive un peu à des situations qui s'apparentent donc à des C'est vivant là. génocides. Mais toujours est-il que, à partir du moment où l'État ou le pouvoir n'est pas arrivé à faire cohabiter les ethnies, à leur faire partager la même vision, qui est l'unité, le développement de la RDC, ça va être compliqué. Maintenant, l'étendue du pays n'a pas facilité les choses. Vous voyez que les élections approchent, approchent, et quand vous voyez même comment le pays est occupé, comment le pouvoir et l'opposition s'organisent, vous voyez un peu cette division-là aussi qui transparaît. Mais après, c'est que ça reste un défi à partir du moment où, lors de la constitution de ces États-là, les Belges ont réussi à avoir un pays aussi vaste que la RDC. Il faut travailler à en faire vraiment un État-nation, ce qui n'est pas encore le cas, et il est à craindre que pendant des décennies encore, on va assister à ce qui est en train de se faire, surtout que la communauté internationale qui est censée aider ce pays, surtout que les pays limitrophes qui sont censés contribuer à l'apaisement de ce pays-là ne font pas grand-chose pour pouvoir aider la RDC. Donc aujourd'hui, les Congolais ne peuvent que compter sur eux-mêmes. Et quand on parle de Congolais, on a l'impression que certains se sentent plus Congolais que d'autres. Certains se retrouvent être marginalisés, et cela n'est pas de nature donc à favoriser la cohésion nationale. Donc il est à craindre que ces représailles-là sur des ethnies amènent à des situations de vengeance aussi, parce que ces ethnies, c'est je crois 64 personnes, non, qui ont été tuées, c'est 46 Donc personnes, 46 personnes, voilà, qui ont oui. été tuées. C'est possible que demain, les groupes armés qui protégeaient ces ethnies-là aussi répliquent en s'attaquant aussi À à la Côte l'ethnie dont d'Ivoire. on soupçonne les forces armées d'être venues perpétrer ce genre de drame. Donc on est là, on tourne en rond. Et l'armée, moi je dis encore une fois, c'est la faute de l'armée. L'armée n'arrive pas à jouer son rôle, et dans cette zone-là aussi, aujourd'hui on nous parle de l'émergence de l'État islamique aussi là-bas, qui vient apporter sa pierre à la complication de la situation. Et il va falloir que l'État central se réveille véritablement. La communauté internationale a presque échoué hein, dans le cas de la Congolais. RDC, parce que visiblement, avec tous les intérêts qu'il y a autour de ce pays-là, les grandes puissances n'ont pas intérêt à ce que la paix revienne dans ce pays. Il faut que les autorités qui ont en charge le bien-être des populations essaient de trouver des solutions. Tshisekedi est arrivé un peu affaibli au pouvoir. Maintenant, il essaie de s'enraciner. Et si les Congolais lui donnent encore un mandat, je crois qu'il devrait s'atteler sérieusement à sécuriser son territoire, à faire en sorte que véritablement le Congo soit quadrillé et sécurisé. C'est vrai qu'il a fait un Devrait-ce effort. savoir s'il aura ce second Il mandat a de la fait part l'effort de... de nommer des militaires à la tête
de certaines régions, mais ça n'a pas changé grand-chose. L'insécurité est toujours là, peut-être ça réduit un peu, mais on n'est pas encore à un niveau satisfaisant où les populations peuvent se dire qu'elles sont protégées par leurs dirigeants. Merci. Alors, Russe, pourquoi vous parliez tout à l'heure de ces groupes-là qui, d'autodéfense qui se sont constitués et qui, de temps en temps, commettent des dérives, qui sont devenus finalement la règle? Pourquoi ne pas s'adresser directement à l'État central si on a des revendications à faire que d'aller s'attaquer à des réfugiés, parce que là, c'est un camp de réfugiés qui a été attaqué. Je pense que il se peut, c'est une hypothèse, il se peut que le fait de montrer qu'on a une capacité de nuisance permet de négocier avec beaucoup plus d'avantages. Parce que, comme on l'a dit... Il faut commettre des massacres. Mais oui, parce que les massacres... Pour qu'on soit craint. Il faut commettre des massacres pour que l'on soit craint. Et en plus, ces massacres se font à côté, c'est-à-dire tout juste à côté des troupes congolaises, tout juste à côté de la MINUSCO. Oui. Et donc, c'est une manière, à mon sens, de montrer l'impuissance de l'armée congolaise, mais de montrer aussi l'impuissance de la MINUSCO. Alors, à ce niveau-là, lorsque, comment dirais-je, on est flexible à un certain nombre de négociations et que l'on montre à l'adversaire qu'en réalité, il a moins de capacité de nuisance qu'il ne prétend, on a un avantage. Ouais. On a un avantage. Ce que font ces groupes armés, en fait, et c'est ça peut-être le plus vicieux, c'est que on aurait pu s'attendre à ce que ces groupes armés puissent prétendre officiellement à la sécession d'une partie du territoire ou à la gestion efficiente d'un territoire. Mais en réalité, ce qu'ils font, c'est un genre de guérilla où on est dans la contestation permanente de l'État qui prétend gérer ce territoire. Donc on le rend ingouvernable. Et comme on le rend ingouvernable, cette portion de territoire est sujette à tous les trafics. C'est un territoire de non-droit. Et l'État, dans sa quête d'unification du territoire, les multinationales dans la quête de vouloir rentabiliser le territoire où ils ont des ressources, l'ONU dans son appui ou dans sa diplomatie, ainsi de suite, tout le monde est obligé de faire avec l'acteur qui a prouvé qu'il dominait le paysage. Ce qui explique ces attaques-là. À mon sens, c'est ce qui explique ces attaques. C'est civil. C'est à mon sens. Parce que quelle gloire peut-on tirer à tuer des populations innocentes? Ce sont des actes lâches. Donc, à mon sens, il ne peut s'agir que de stratégie au-delà de cette lâcheté-là qui serait pouvoir se positionner avantageusement pour une quelconque négociation. De toutes ces négociations qui sont organisées depuis des années, avec entre griffes des rebelles, des bandits, en réalité, elles ne contribuent qu'à enrichir les acteurs. On a parfois des groupes rebelles qui semblent plus équipés encore. Plus fournis. Ils contrôlent des zones riches en ressources, mais ces zones riches en ressources, elles fournissent, des minerais. Et ces minerais-là, on arrive à les vendre. On arrive à les vendre, de l'argent rentre. D'ailleurs, raison pour laquelle ils n'ont pas envie de lâcher ces minerais-là. Mais alors, mieux, moi, je trouve même étonnant, parce que lorsque vous avez ces gens de leaders-là, étonnamment, on a après des pays, on a des organisations qui disent, oui, voilà, sanctions internationales, nous allons bloquer les comptes. Vous allez bloquer les comptes. C'est étonnant qu'un chef rebelle, quelqu'un qui est taxé d'avoir massacré des gens et ainsi de suite, puisse avoir des comptes ou des revenus à l'étranger que l'on puisse bloquer. Alors, moi, je vais même plus loin. Je vais donner un exemple. Je vais terminer sur deux exemples. Je vais donner, par exemple, l'exemple de ce monsieur rwandais qui a été arrêté il n'y a pas longtemps en France. Pour avoir financé un bon nombre des massacres et ainsi de suite. Mais moi, je suis étonné. Il s'agit d'une des premières puissances mondiales. Alors, si vous arrivez à me dire qu'il y a quelqu'un d'aussi important qui arrive à rester sur votre territoire, à se dissimuler en années, à vivre avec sa famille, faire des transactions, faire des revenus et ainsi de suite, et qu'au bout de je ne sais pas combien d'années, on parle de 10,
15 ans, c'est maintenant que vous vous apercevez, comme par hasard, que le monsieur est là, il vit chez et vous qu'il faut l'arrêter. Et que vous l'arrêtez. À un moment, c'est un peu ça le problème. Et je pense qu'au niveau mondial, c'est un peu ça le problème avec les populations. C'est le ressentiment ultime de la part des sociétés civiles et de la part des populations qu'on se fout d'elles. Merci beaucoup, Horus. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on vous retrouve pour la suite de Regards Croisés.